Salut coucou, comment tu vas? Oui, allô, c'est l'agence IMO. Je me permets de vous recontacter. Ah, parfait. Vous, c'était une maison sur, rappelez-moi, Mirror Park, il me semble. Eh bien, on va se rejoindre là-bas. Je vais aller voir ce qui est possible. On va aller visiter tout ça. Ouais, ça marche, y a pas de souci, on fait ça. À tout de suite. Allez, et bonsoir, ça va impeccable. Ça va impeccable. Et vous, comment vous allez? M'a dit quel numéro, je sais plus. On va déjà aller jusque là-bas. Ouais, vous m'entendez dans le chat, tout va bien? Où est la jauge d'essence maintenant? Ils ont changé le HUD. Je ne sais absolument pas où elle est la jauge d'essence. Ça doit être à sa droite. Bon, je vois où elle est. Je ne sais pas c'est quelle maison exactement qu'il voudrait. Bonsoir. Parfait. Donc ce serait cette maison-là, c'est ça? D'accord, on va faire un petit tour de l'extérieur, voir ce qu'il y a. La petite piscine, sympa. Ah, ça c'est moins joli, ouais, effectivement. Ok, d'accord. Bien. Ouais, c'est pas le top top là-bas en bas, c'est vrai.
Ouais, petite maison atypique, sympa. Le petit plus avec la piscine. Je fais le calcul rapide de tout ça et on va voir à peu près à combien je vous l'estime. Ouf. Counter était à 150 000, on est sur une moyenne. On va être au-dessus des 100 000, c'est sûr. Je pense qu'on va être à 110 000, 120 000, quoi. 120 000, ça me paraît bien. On n'entend pas les autres parler. Oui, c'est normal, j'avais enlevé le truc. Heureusement que tu me le dis. On est sur la zone 7. Une maison avec un bel extérieur. Serait sur 160 000, remise à 100, à 50 000. 110 000. On serait sur 110 000. Oui, une maison meublée, bien sûr. Alors, le meublage, c'est vous. Vous en avez la totale liberté. Ah, magnifique. Et il n'y a pas des possibilités d'avoir un meublé de base. Non, malheureusement, ils ne sont pas meublés de base. Après, on peut être dans la négociation, il n'y a pas de souci. Si vous me dites que vous voyez ça peut-être un peu trop excessif, on peut négocier, voir si on peut pas essayer d'amortir un peu, d'avoir une remise avec le propriétaire. Oui, et les meubles, vous avez des fourchettes de prix ou pas? Savoir. Alors les meubles, c'est entièrement vous qui pourrez les acheter une fois que vous aurez l'acquisition de la maison. Et on est sur une moyenne de $200, il me semble, aux meubles. Oui, ça veut dire si je veux un lit, une télé, une commode, oui, ça commence à faire du chiffre. Écoutez, vous m'avez dit 110 000. Moi, 100 000 et je vous l'achète tout de suite. 100 000 et vous l'achetez tout de suite? Oui. Bon, ça va. Ça va. Je m'étais fait une fourchette entre. On était à peu près sur ce prix-là. J'avais dit 110 000, allez, parce que c'est pas meublé, je veux bien vous la faire à 100 000. Et ouais, malheureusement, j'ai pas de maison meublée en fait. Oui, En c'est un peu architecte. dommage parce que Ouais, les c'est un peu meublés, dommage. vous pourriez les vendre un peu plus cher. C'est ça. C'est exactement ça. Excusez-moi. Oui, je t'ai entendu. Je suis en train d'acheter ma maison. Excusez-moi. C'est mon collègue. Il panique, il n'y a plus d'oignons. Ah, ça y est. Oui, pour fabriquer des pizzas, il faut des oignons. Mais ils savent où les acheter. Ils sont un peu cons. Je pense même qu'on peut potentiellement la descendre à 95 000. Ah, ça sera magnifique. 95 000, ça me paraît très bien. Oui, je veux bien. Eh ben, partons pour 95 000. Il me reste juste à récupérer les plans et puis on pourra faire la transaction. En revanche, il faudrait que vous ayez l'argent sur vous. Ah, ben je peux aller la chercher, il n'y a Ouais, pas de pendant que je fais souci les, parce que... pendant que je récupère les plans et les documents. Oui. Il n'y a pas de souci. À tout de suite. Bah, en fait, c'est que je veux pas aller dans la colère des joueurs. Donc quelque part, le problème c'est que pour l'instant je peux pas jouer sur les garages parce que je peux pas en ajouter, je peux pas. Là, je suis toujours au même stade, mais je fais en sorte que ce soit jouable. Là, c'est pareil. Gunther, il m'a acheté un truc de luxe, mais vraiment de luxe, de luxe. À 250 000, à 200, ouais, 250 000, tu vois. Et honnêtement, le truc que je me suis, sur lequel je me suis rendu compte, c'est qu'ils doivent acheter derrière encore les meubles. Je peux pas me.
permettre de leur dire, ouais, bah écoutez, voilà quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'on avait dit que c'était celle-là qui était intéressante pour ici. Est-ce que je pourrais le tourner? Eh bah, ben, l'argent est sur mon compte. Ouais. L'argent est sur mon compte en fait. Je pense que c'était celle-là. Ah oui, c'était ça. Elle était sympa celle-là. Et oui, l'argent va sur mon compte. Pourquoi? Parce que sinon, ça va être de l'argent perdu. Je vais avoir des problèmes. Ça va être casse-couille à mettre en place si. Si je dois donner des impôts et tout par rapport à l'entreprise, tu vois. Je le fais sur mon compte, j'achète la maison à 1 $ et je la revends à 90 000. 95 000. Ah, elle est sympa celle-là. Hop, je vous invite à me suivre, on va faire la visite à l'intérieur. Oui, excusez-moi, il y a un collègue qui veut acheter la maison d'à côté, donc il est venu. On va voir ça juste après alors. Bah nickel. Ça te dérange que je visite avec toi, Nico? Maintenant. Entrée joueur. Waouh. Parfait. Alors le deuxième, il est où? Ah. Il est là. Le Ah, oui. Alors, propriétaire. le futur propriétaire. Effectivement. Voilà. Or ici, nous avons la première chambre. Ici, la deuxième Donc vous chambre. avez les deux chambres là sur la droite, la salle de bain qui est là juste derrière. Avec Oui. quelques meubles déjà présents. Petite buanderie là derrière, voilà. Petite salle, cuisine. Oui, c'est sympathique. C'est cosy, ouais. Voilà. Écoutez, moi, il n'y a pas de souci, je vous l'achète. Eh bien, écoutez, on va faire on va réaliser la transaction. Alors. Alors, si juste le patron peut rester à côté de moi. Mais je m'écarte. Alors, vendre joueur. Alors, on avait dit 95 000. Oui, c'est cela même. En théorie. Et voilà. Magnifique. Et dites-moi, la maison, si je suis pas dedans, elle est fermée à clé, on est d'accord. Allez, ferme à clé. On est les personnes pour rentrer sans obligé de sonner à la porte. Magnifique. Et un Waouh. exemple. Ouah, ça Ah, fait c'est une blague. bizarre. Ouais. C'est un peu inquiétant. Ouais, c'était mon repos. Dites-moi une question. Si dans un futur, j'ai besoin d'être deux dans la maison, est-ce qu'il y a possibilité de donner la clé à la deuxième personne ou pas? Absolument, ouais. Absolument. C'est magnifique.
Bon, écoutez, je vais voir à tout ça. Je vous laisse avec un Voilà. collègue. Sachant que c'est pareil, l'extérieur, vous pouvez ajouter des petits arbustes, etc., etc., de la décoration extérieure. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. En revanche, la seule indisponibilité pour le moment, ça va s'arranger avec le temps, c'est les garages. Oui, j'avais appris ça, mais il n'y a pas de problème. Voilà. C'est déjà pas mal d'avoir un chez-soi. Mais on a Oui, déjà nos de chez l'hôtel, soi. quoi. C'est Ouais, ça, c'est exactement. exactement ça. Les hôtels le savent bien, mais au bout d'un moment, les punaises de deux lits, ça gratte le cul. Eh, c'est pas faux. C'est pas faux. Effectivement. Ah, surtout Bon, les hôtels miteux, là. ouais, ça c'est. oui. Bon, je vous laisse pour l'instant. Je vais aller voir pour la déco, comment qu'on fait. Ouais, ça marche, y'a pas de souci. Bon, si vous avez besoin, vous appelez. Ouais, ça marche, y'a pas de souci. Vous regarderez sur l'interphone quand vous entrez dans votre maison ou même aux alentours. Même à votre porte extérieure. Il y a un bouton sur l'interphone F5. Oui. Il peut vous être très utile. Il n'y a pas de souci, je verrai ça. Merci Voilà. bien. Bonne soirée à vous. Oui, du coup, ouais, je partais sur le côté. Justement, j'ai eu mon ami au téléphone et il m'a dit que vous étiez en ville et vu que vous voulez prendre la maison l'un à côté de l'autre. Ah, ce serait celle-ci du coup. Effectivement. Alors, on va faire le tour rapidement des locaux, voir ce qu'il y a aux allants dedans. Je pense qu'on sera certainement sur le même style d'intérieur que votre collègue. Bien. Oh, vous savez, après l'intérieur, c'est pas ce qu'il fait, c'est la décoration intérieure qui fait la chose. Exactement. Ok, jolie piscine. Bon, par contre, vous avez aucune vue à la différence de votre ami. Ah, lui, il a une sacrée vue. Après, vous savez, c'est un beau quartier. Je crois Ouais, qu'on c'est un sait joli pas qu'on quartier. kiffe pas. Je crois qu'il faut l'escalader. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, bon, on peut partir sur le même tarif, hein, 95 000, Ok. pour partir sur le même intérieur, comme je vous disais, assez chic, assez lumineux. Très bien. Voilà. Bon, c'est ce que je vous propose. Après, à vous de voir. Ouais, je verrai ça, j'imagine. Ok. Et donc après, il sera totalement, on va dire, malléable au niveau du mobilier, tout ce genre de choses. Exactement, tout ce qui va être mobilier, vous en ferez ce que vous voulez. Si vous voulez acheter 15 lampes et les mettre tout le tour de votre salon, vous faites ce que vous voulez. Je vois, ok. Voilà. Très En bien. revanche, il faut que vous ayez l'argent sur vous. J'ai l'argent sur moi. Il m'avait dit une tranche de prix, donc j'avais retiré. Ok. Et d'ailleurs, au niveau des tarifs, au niveau des maisons, c'est suivant le quartier, c'est. Alors, c'est suivant le quartier. Alors, sachant que Mirror Park, c'est assez éloigné du centre-ville, Ouais. c'est légèrement moins cher. Après, il y a tout l'extérieur qui va entrer en compte. L'intérieur qui va entrer en compte. Ce sera pas le même prix si je vous mets un intérieur un peu plus. Si vous avez un intérieur un peu plus vaste. Sachant que là, vous avez vu, l'intérieur n'est pas forcément très grand. Oui. Et l'intérieur, justement, c'est la maison qui, on va dire, le prédéfini. Non. Disons que j'ai plusieurs choix, mais en même temps, ça peut pas s'adapter à tout. L'architecte ne peut pas l'adapter à toutes les maisons. Ok. Donc je vais voir ce qui est possible, voir si je peux pas vous proposer quelque chose d'autre. On va essayer et puis Ok, on pas voit de ça. soucis. Voilà. Ok. Je vais voir pour les plans et tout ça. Ok, bah j'attends. Et oui, je suis pas censé le C'est faire. une dinguerie, dinguerie. Suite. Je m'occupe déjà de quelques clients, histoire d'avoir la paix.
Un intérieur un peu différent pour lui. On va voir quoi. Bah non, on peut pas lui mettre ça. Mini appartement, non. Garage, office, container. Je mettrais bien celle-là, lui. Ah, quoi que Frank Count. Espèce de baignoire rose, là. Ah, c'est ça, c'est l'espèce de baignoire rose. On peut peut-être partir sur ça. Partir sur 100 000. Je vais partir sur le même matériel. Bon, on est parti sur le même intérieur. C'était le plus adapté, mon architecte a dit. Donc, voilà. Donc on va pouvoir entrer. J'ai fait rentrer le joueur. Il a sonné. Rentrer, ouais. Pas la sonnette, je sais pas si. Ah, vous voyez pas la sonnette? Non. C'est très étrange. Et pour ça, c'est pas que je voulais pas vous rejoindre. Essayez. Alors, j'arrive pas à le faire rentrer. Allez faire pipi là-bas derrière. Ah, Je pense. pipi très très long. Ouais, c'est ça. Ok, bah, j'arrive. Surveillez ma voiture alors s'il vous plaît. Ouais. Je pense qu'il a. Par contre, j'ai pas le nom de l'autre. J'ai plus le nom de son patron là.
Ah, il va falloir que j'appelle Sabou et Mgolobou. Si. Bonjour, la sonnette. Ah bah voilà. Je l'ai dit, et Pépi, ça résout les trois quarts des problèmes. Ah parfait. Du coup, on est sur le même style, comme je l'ai dit à l'intérieur. D'ailleurs, petite question, bon après, Dites-moi, question comme dites-moi. ça, vous avez les clés vous ou pas après? Non, j'ai plus les clés après. Oui, non, mais je te demande après. Non, non, je vous assure que j'ai plus les clés après. Heureusement encore. Du coup, vous êtes tout seul à l'agence IMO? Ouais, c'est ça. Je suis tout seul à la gérer et c'est mieux. Ouais, j'imagine. Ça doit être assez complexe. Bon. Je vous les ai fait à 95 000. Sachant que normalement ils en valent 110 000. Parce que votre patron, votre ami de la pizzeria, a Ouais, patienté pas mon. mal de temps. Ouais, ok. Par respect pour ce qu'il a attendu. Ok, ouais, Voilà. c'est très bien, ouais, c'est fort sympathique. C'est pas mon patron, je suis patron de moi-même. Ah d'accord. Alors, votre Je ami. suis patron du concessionnaire moto. Donc exceptionnellement, je les ai fait à 95 000. Normalement, c'est 110 000. Et je vais pleurer. Il n'y a plus ma voiture. Voilà. Ah, les voitures, c'est une horreur. Vraiment. Ok. Ouais, quand on rentre et qu'on sort, c'est une horreur. Logiquement, non. Mais là, le fait que vous ayez fait un pipi entre deux, je pense que c'est ça. Il y a moyen. D'ailleurs, c'est assez intuitif pour l'aménagement. Logiquement, c'est intuitif. Ok. Maintenant, Ouais. voilà, c'est assez poussé quand même. Ok. Ah, ça s'est poussé quand même. Ok. Bah écoutez, bah, je vous remercie. Est-ce que je On peux vous souhaite. juste avoir, c'est votre nom? Bah écoutez, je vais vous passer ma carte d'identité, comme ça au moins ça sera. Tac. Vous avez pas besoin de faire d'acte de vente ou ce genre de choses? Non, bah j'enregistre tout dans la base de données directement en fait. Ok. Et monsieur de la pizzeria, j'arrive jamais à retenir son nom à ce monsieur. C'est Monsieur Nico Garcia. Ah, Nico Garcia. Et voilà, Eh parfait. ben nickel. Écoutez, je vous remercie. Allez, on va retourner à C'est l'agence. bon, on est voisins. Oh, magnifique. Dites-moi, Allez, j'ai dites-moi. un petit problème pour meubler la maison. Ouais. J'ai voulu essayer, mais comment qu'on achète les meubles exactement? Parce que ça me montre tous les meubles et j'y arrive pas. Faudrait que je revérifie. Je fais le Je revérifie ça auprès de mon vendeur et je reviens vers vous assez vite. Oui, parce qu'en fait, on se met devant la porte, on appuie sur le bouton.
Et ça me dit décorer la maison. Mais comment qu'on achète les meubles, comment qu'on les place? Je vais regarder ça. Ouais, alors. Et essayez de faire un petit tuto sur votre intranet. Ça pourrait être sympa Je pour les pense que c'est ce prochains. que je vais faire. Je pense Oui. que c'est ce que je vais faire. Parce que expliquer, Écoutez. c'est pas forcément évident. Oui, voilà, c'est pour ça. Faites un petit tuto, sinon vous allez expliquer à tout le monde. Donc je ferai un petit tuto assez vite. Je vous remercie. Je regarde ça et puis voilà. Je vais visiter la maison d'à côté. Il y a l'extérieur qui change là, au niveau de l'intérieur, après selon ce qu'il va mettre par rapport à vous, sinon l'intérieur reste le même. Bonjour madame. Sont trop cons. Bon allez, l'agent Imo se sauve. Hasta luego. Putain, ils m'ont niqué ma caisse. Allez, con. Ah, du coup, je suis riche d'un coup. Bon, c'est pas le but, mais. Ah, tu fais les implants sur les clims. Ah, nul. C'est nul. Bon, en vrai, ça va aller vite, non? M'énerve cette porte à se fermer. C'est ouvert. Voilà. Je sais plus où est-ce que je les ai vendus leur maison, putain. Ça doit être 7319 et 7316, je crois. Allô, allô? Allô? Alors, je vous entends pas. Génial, merci. Trop aimable. Ah, putain. Allô?
Ah, parfait, c'est sur vous que je voulais tomber. Vous êtes Monsieur Garcia, hein, c'est ça? Oui, je suis un peu con. Il y a sur la tablette, il y a information, je viens de comprendre. Ok, c'est pas grave, pas de souci. Au niveau de votre numéro de la maison, j'ai oublié de le prendre. Le numéro, moi, c'est 7315. Ok, parfait, merci. Impeccable. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Je note. Lui, c'est 73-15, donc là, c'est 73-16 en théorie. Ah non. 73-14. Je le note parce que... Birdie. Venu au bureau afin de pour l'acquisition. Et voilà, c'est parti. Alors là, ça va pas arrêter les appels, c'est sûr. Viens m'asseoir. Sors sur une chaise. Bah ouais, mais t'es pas sur une chaise, mon grand. Ouais, bah là, t'es pas sur une chaise non plus, mon grand. Du RC, tout le mec. Oui. Oh bah, c'est parfait là. Pendant ce temps-là, on va appeler le gouverneur. Entreprise, gouvernement. Gouvernement, bonsoir. Oui, bonsoir. Je me permets de vous contacter pour savoir si monsieur le gouverneur était disponible. Actuellement, le gouverneur, il est en déplacement. Il sera là vendredi soir. Après, il reste cependant disponible sur Internet si c'est concerné une entreprise ou une demande spéciale. Vous pouvez ouvrir un dossier sur notre Internet. D'accord, bon, il faudra que j'ouvre un dossier par rapport à tout ce qui va être à position par rapport à l'agence immobilière. Ah, bah oui, justement, il y a, normalement, on a tout refait. Normalement, il y a un dossier, il y a des dossiers spéciaux seulement pour les entreprises. Vous pouvez mettre votre comptabilité, etc. D'accord, ouais, bah, faudra que je fasse ça avec. Monsieur Weber est disponible par mail pour toute question. D'accord, ok, ça marche. Bah écoutez, merci beaucoup. Et Madeleine, bonne soirée à vous. Une bonne soirée, au revoir. Trop aimable.
Je suis riche. Pas pour longtemps, mais je suis riche quand même. Voilà, les beaux gosses. De quoi tu es d'accord avec moi? Ouais, je trouve aussi. Mais cela pète le perso, quoi. Un gros fier-cul, mec. Ah, faut que j'appelle Sabu Mgolobo. On fait ça comme ça. Et on va écorcher son prénom. Pardon. Oui, bonjour. Oui, bonsoir, monsieur Imgolobu. Oui, c'est ça, c'est bien moi, monsieur. Vous pouvez m'appeler Sabou, il n'y a pas de problème. Ah, pardon, monsieur Sabou, alors. Je suis l'agent Simo, je me permets de vous contacter par Oui, rapport à vous avez votre bien demande que fait. vous aviez. Oui. Est-ce que vous avez déjà une idée de où mettre votre... C'était un entrepôt, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, je souhaiterais un petit entrepôt, quelque chose de pas très très grand, mais que je puisse comment dire, avoir du rangement, quoi. Ouais, ok. Mais je sais pas du tout si vous avez des comment dire, quand vous vendez des maisons, il y a du rangement dedans? Alors, quand je... Vend des maisons, il n'y a rien dedans. C'est à moi de mettre. Au bon vouloir, ensuite, c'est à vous de mettre ce que vous souhaitez. Si vous voulez mettre des boîtes en métal, vous mettez des boîtes en métal. Si vous voulez ajouter des lampadaires, vous ajoutez des lampadaires. D'accord. Et ensuite, pour tout ce qui est stockage, garde-robe, ça fonctionne de la même façon. D'accord, je vois très bien. Voilà. Ok, c'est bon, ça va, c'est cool. Je suis en train de, comment dire, j'essaie de visiter un peu le. J'ai une zone là où j'habite pas loin et je veux Ouais. voir s'il y avait quelque chose d'intéressant. Dans l'idée, ce qui m'intéresserait, je vous l'avoue, ce serait peut-être un conteneur. Un conteneur? Ou vendre des conteneurs. Alors moi, je peux vous avoir des conteneurs, oui, exactement. Faut juste que je trouve un emplacement. Enfin, l'emplacement. Ouais, un conteneur quoi. Exactement. Ok. Écoutez, je vais faire le tour Voilà. et je vous rappelle dans pas longtemps. Vous êtes là jusqu'à quelle heure? Bah, j'ai pas d'heure précise pour le moment, donc. D'accord, je vois. Et vous Voilà. savez les prix des conteneurs ou pas? Bah, ça risque d'être en pleine ville. Je pense qu'on va être aux alentours de. C'est pas très cher, un conteneur. Hein. On va être à 30, 35 000 peut-être. D'accord, je Dépend vois. l'emplacement, quoi. Ok. Et donc, et admettons un petit entrepôt. Et sur un petit entrepôt, on serait à. Genre un petit garage, petit entrepôt, un truc du genre, quoi. Alors attendez, je regarde. On serait sur du 65 000.
D'accord, très bien. En soi, c'est Mais... comme c'est pas une maison, c'est pas officiellement habitable. Ouais. Je peux pas le vendre comme une maison, en fait. Ah oui, je ne vais pas habiter dedans, ça c'est sûr. J'ai déjà une J'espère. maison, quoi. Mais voilà. Ok, eh bien écoutez, je regarde un peu dans mon quartier là, c'est qu'il y a des panneaux, des trucs, et je vous rappelle, hein, d'accord? Ok, y a pas de souci. On À fait tout comme à l'heure, ça. monsieur À tout à Delormeau. l'heure. Merci. Et un client de plus, Sabou Amgolbou. Ouais, ça me paraît bien, 60. 60. Ouais, un entrepôt, du garage, une connerie comme ça. Là, on va être à 85 000, je pense. 80 000, les maisons là, des espèces de ranch tout pourri. Là, on va être à 85. Là, autour 90. Enfin, 95 et 110, là, aux alentours. Là, on sera là sur le bas, on sera vers 100, 150. Là en haut pour une maison, simple maison sans ex avec un extérieur, mais pas forcément extérieur de ville. On va être à 200 000. Et là, vraiment, le gros quartier riche sera à peu près à 250. Je pense que ça me paraît pas mal en termes de prix. Par contre, toi, rassis-toi tout de suite maintenant. C'est sur j'ai dit couvert, c'est plus le prix que je lui ai donné pour l'entre pour l'espèce de garage ou je sais pas quoi. J'ai dit 65 000, il me semble. Ah, ça paraît pas mal, 65 000. On va se promener. Alors, en balade. Attends. Hop, voilà. Donne-moi une voiture, mais c'est pas celle-là que je vais conduire de toute façon. Vais chercher ma nouvelle. Yes. Allez, c'est parti. Ethan Delorme, ma agence immobilière, bonsoir. Oui, bonsoir. Ce serait pour me renseigner un peu des prix des locations. Du côté de Mirror Park. Ouais, en location? Oui, ou achat, bah les deux, en soi. Ok, vous avez déjà une idée de la maison en elle-même? Pas du tout. Alors, je vous invite d'abord à aller voir la maison qui vous intéresserait. On fait un tour ensemble pour voir, pour que je vois un petit peu le lieu. Et puis D'accord. ensuite, je peux fixer un prix. D'accord, ok. Voilà. Ben, merci beaucoup. Donc je vous invite Je vous d'ores et recontacte. déjà et à me recontacter dans la soirée. Je vous recontacte dans la soirée, y a pas de souci. Voilà, merci à vous. Au revoir. Au revoir.
Ouais, de la location, cool. Je trouve pas où il est ce putain de garage. Ah, mais il est là le parking, c'est vrai. Sais pas où exactement, mais il est là normalement. Ah, j'ai eu peur qu'il soit tout. Ah, c'est moche la couleur bleue des phares là. Mirror Park, on est à 95 000, je serai à 9 500 par semaine. Semble en location. Après, je crois que la prime maximale, elle est de 9 000, elle est de 8 000. Ouais, je les fasse à 7 500 semaines. 7 000. De maison, on a le même. Pour être sympa, je vous bénisse. Moche cette caisse. Non, il les semble comme ça pour l'instant. Ah, j'en suis. Quand je vais déposer l'argent, c'est une priorité. Je pense même 6 000, ça peut être pas mal hein, pour la location. 6 000 à la semaine, la maison. Sur Mirror Park. Une maison de base. 10 000 la villa. Et 1 500. Ouais, 3 000 même. Je pense l'entrepôt. 1 500. Déposer. 2 fois 95 000. Enfin, comme ça. Je sais que ça. Pas que j'y touche. À l'agence IMO. Que vous allez me suivre. J'ai rien demandé, moi. J'ai rien fait. Qu'est-ce que c'est que tout ça?
Capitaine Delorme, agence immobilière, bonsoir. Oui, rebonsoir, excusez-moi. J'ai enfin trouvé une maison qui me plaisait, donc si c'est possible de la visiter avec vous. Ouais, vous avez un En numéro? 7... Oui, 7320 Mirror Park. Ok, ça marche, bon, bah, j'arrive. À tout de suite. À tout de suite. Putain. Et c'est reparti. J'ai dit 6 000 hein, pour une location. Bonsoir monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Ça va et vous? Ce serait Ça pour va vous du coup? parfaitement, oui. Oui, c'est ça, tout à fait. Ok, ça marche. Bon, on va faire le tour rapide. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a un extérieur derrière? Bon, ce serait pour de la location, c'est ça, en priorité? À voir, hein. Si on peut acheter, on achètera, mais ça m'étonnerait. Tu vois. Ouais, de la location. Ici, on est vraiment à 95 000. Au niveau de l'achat, on serait sur 95 000. On va partir sur de la location, c'est bien, ouais. Et une location, on est à. Alors, quand il y a une piscine, tout ça derrière, je suis à 6 000. Je fais les calculs en même temps. Hein. On serait à 5 500. Semaine 5 000 semaines. 5 000 semaines, Ouais. Ouais, en soi, ça va. Après, vous avez la même possibilité que les personnes qui achètent les maisons. La seule grosse différence, c'est que toutes les semaines, je viendrai, entre guillemets, toquer à votre porte pour payer la location. y a pas de souci. Sachant que je ferai certainement un rappel selon vos disponibilités, parce qu'après je dis une fois par semaine, si vous n'êtes pas disponible par exemple le dimanche, je vais pas insister pour que vous Ouais. soyez là le dimanche, mais Ok. Bah, voilà. on va vous la prendre du coup. Sachant que si la location n'est pas payée toutes les semaines, que malgré les relances, je vois que c'est pas payé, je suis en droit de vous retirer la maison et donc ainsi que tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ouais, c'est normal, ouais. Sachant que même si derrière vous revenez vers moi pour refaire de la location de maison, vous ne pourrez pas avoir la maison avec l'intérieur comme vous l'aviez. Oui, pas de souci. Voilà. Ok. Bah écoutez, je m'occupe du dossier. Si je peux juste prendre votre numéro de téléphone. Bien sûr. Bon, je peux venir avec vous à l'agence, hein, s'il faut. Le temps, bah en fait, c'est le temps de demander à l'architecte de monter la maison en soi.
Ah oui, ok. Moi, c'est, le mieux, c'est, ce serait qu'il y ait deux jambes. Deux chambres, ce serait le parfait. Vous appelez Jeff. Mais c'est Jeffrey normalement. Alors qu'on m'appelle Jeff. Un nom de famille, s'il vous plaît. Wood. W-O-O-D. Ok, parfait. Bah, écoutez, je m'occupe de ça. Je vous rappelle rapidement pour procéder au premier loyer. Mm-hmm. Et puis à partir de là, vous ferez ce que vous voulez, sachant que la maison à l'intérieur est entièrement décorable par vos soins. Ah, on peut pas en avoir une décorée directement? Exceptionnellement, je peux le faire, mais ça va mettre un petit peu plus de temps. Ouais, mais je préfère. J'ai pas envie de construire. Ok, ça marche. Y a pas de souci. Voilà. Allez, écoutez, je m'occupe de tout ça. Je vais juste reprendre l'adresse. Ok, c'est bon. 7320. C'est ça. En plus, c'est un joli quartier. Donc... Bon, bah, si tout est bon. Parfait. Oui, parfait. Bon. Je dois compter plus ou moins combien de temps? En général, j'essaie de faire ça assez rapidement. Enfin, je vais essayer de faire ça assez rapidement. Je vous avoue que pour l'instant, vous êtes le premier à qui je dois louer. Vous êtes le premier à qui je vais faire une l'intérieur. D'accord, oui. Donc, je vais essayer de faire au plus vite. Je pense que demain, il y a moyen que ça se joue et que je vous rappelle. Ok, ça marche. Pas de soucis. Voilà. Bah, merci beaucoup. Bah, de rien, je vous en prie. Et bah, passez une bonne soirée. Alors. Merci à vous aussi. Merci. Donc on a du taf. Je lui ai dit combien? 5 000? Ouais, 5 000, c'est bien. 5 000 à la semaine. La location. Parfait. M'énerve le nouveau système pour démarrer la voiture. J'étais retourné à l'agence, mais au final, je vais pas retourner à l'agence. Ça, c'est quoi? On sait pas acheter des téléphones, des radios. Ah, c'est ça, c'est pour acheter le téléphone. C'est quoi? C'est la nouvelle piste d'auto-tamponneuse. On va aller voir. Apparemment, ils ont changé le mapping. Qu'est-ce qu'il fout? Il est où? Voilà. Même pas où il est.
Ah oui. Forcément. C'est chalet. Ce bordel. Ah mais il n'y a plus de place pour se garer maintenant. Bordel ça. Stylé, hein. Oh, c'est pas utilisable quoi. Dommage. Ils ont enlevé le tir à la carabine. C'est super loin maintenant les autres tronçonneuses, mes couilles. Même. Je vais visiter ça un petit peu plus tard. Oh, tais-toi. Il y a c'est quoi ça? Ah, il y a quoi d'ouvert? On va faire un dîner. J'ai le gars du groupe 6 aussi à appeler. C'était pour acheter une maison à l'autre bout de la planète. Là, je les ai fait. Normalement, elles sont à 110 000 quand il y a un extérieur. Ici, 95 000 sans extérieur. C'est à l'autre bout, ce serait là-bas. Ici, 85 000 là-bas. 85 000. Bonjour, monsieur Ethan Delorme. Bonsoir, monsieur Matt Trésor. Oui, que puis-je pour vous? Ah, mais oui, c'est pour les maisons, c'est cela? C'est exactement ça. Voilà. Est-ce que vous avez les... Oh, attendez, excusez-moi, je suis un peu dans le cadre de mon boulot et il y a quelques petits... Ouais, voilà, c'est bon. Je dois juste surveiller une salle, donc ça va. Mais vous avez pu voir un peu les prix? Ouais, on serait aux alentours de 85 000 pour l'achat d'une maison là-bas. 85 000 dans le Paletto. C'est okay. Ça. Et donc, je peux aller vous montrer tout à l'heure ou... Ouais, moi, il n'y a pas de souci. Vous me dites où est-ce que vous voulez vous installer. Ben, attendez, je vais juste regarder le GPS de mon téléphone. Vous ne bougez pas. Alors, moi, ce serait plus pour une maison sur le bord de mer. Alors, attendez. Hein. C'est en... 10,71 et 10,66. Entre ces deux-là. Il y a la possibilité. S'il y a possibilité. Ouais, bah, je préfère venir vous montrer si vous voulez. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure vous êtes là aujourd'hui. Pour l'instant, j'ai pas d'heure fixe. Donc. Ok, ben, je viendrai dès que j'ai fini ici avec le jugement. Parce que je suis sur le jugement ici. Okay. Je viendrai avec vous pour vous montrer les deux possibilités et vous me direz combien précisément il faudra et alors également voir pour
également le temps que je récupère la somme, peut-être une petite location en centre-ville. Vous faites les locations, bien sûr. Je paye aussi de la location, tout à fait. Et la location au centre-ville, c'est plus ou moins combien? Pour une location sur le centre-ville, on serait à peu près environ à 5 500. La semaine? La semaine. Ok. Et alors, nous avons également la possibilité d'avoir un petit coffre et ainsi de suite pour mettre... Alors ensuite, comme j'expliquais à une personne qui voulait louer juste avant, c'est comme si que la maison vous appartenait, vous en faites ce que vous voulez. Sachant que moi, toutes les semaines, je vais me présenter à vous pour récupérer forcément le... Ok, pour récupérer l'allocation. La somme due, oui. Voilà. Parfait, je comprends. Sachant que derrière, si l'allocation n'est pas payée, je vous retire la maison, donc tout ce que vous avez installé à l'intérieur sera à vous. Et donc ce sera plus ou moins perdu, même si vous venez 3 jours après pour me la redemander. Ok, ok. Je vous contacterai dès que j'ai fini ici, parce que là ça a l'air de bouger, donc je dois reprendre. Ok, ça marche, pas de souci. Je vous en prie, je passerai dans votre bureau dès que j'ai fini. Ok, ça marche, pas de souci. Une bonne soirée à vous, à tout à l'heure. Il y a un jugement ? Je vais au jugement. Attends, j'y vais. Comment ça, il y a un jugement? Qui c'est qui est jugé? Moi, je veux participer au jugement, pardon. Laissez-moi. Je pense que j'aurais pu mettre 6500. Non, vraiment, centre-ville. Je vais voir où est-ce qu'il se place, mais je pense que je peux même mettre 6500. Laissez passer, je vais au jugement. Mais c'est pas possible qu'il y ait un jugement. Enfin, c'est pas par rapport à une affaire justice, je pense pas. Ah, quoique. Quoique, il y a toutes les bagnoles vertes. Impossible. Ouais. La voiture. Je crois que c'est une voiture de flic, elle est ouverte. Je sais pas si on peut y participer au jugement, je regarde.
Une 20% seulement. Le cela je vote. Apparemment, les impôts, ce serait 20%. C'est pas énorme.
Capitaine Delorme, agence immobilière, bonsoir. Oui, bonsoir, Moyer. J'avais pris rendez-vous avec vous pour voir le prix d'une, d'une maison en 4001, Moyer. En 4001 cela, Moyer. Oui, oui, en 4001, Moyer. Ah, attendez, je regarde. Est-ce que vous avez des nouvelles sur le prix, sur quoi que ce soit de... Je vais aller voir l'endroit. Est-ce que vous pourriez m'envoyer votre numéro par message? Ah, bien sûr, bien sûr. Comme ça, je vais voir là, je vais visiter rapidement la maison. Si vous pouvez me noter en même temps le numéro de la maison. Et comme ça, moi, je reviens vers vous assez vite pour vous donner un prix. Parfait. Alors, c'est en 4001. Je vous envoie tout par message. Ouais, ouais, tout à fait. Hop là, nickel. L'envoyer sur le ouais, hop. Numéro de l'agence. Numéro de téléphone. Hop. Du coup, l'adresse. Parfait. Hop. Hop. Vous venez de la recevoir. Parfait, merci. Bah, c'est parfait, merci à vous. Bah écoutez, je reviens assez vite vers vous. Bah merci. De rien. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Oui, je tiens à préciser aussi, il y a la prison à côté. J'imagine que ça fait baisser la valeur. Il y a de grandes chances que ça fasse baisser la valeur du bien. Bah, très bien, bah, merci fait. Beaucoup. Voilà. Bonne soirée à vous. Et... Merci à vous aussi. À bientôt. Au revoir. Bon, bah on va en 4001. Je voulais jouer au poker, mais enfin au blackjack, mais j'ai pas le temps. Du côté de la prison, elle m'a dit. Ah ouais, mec. La carte bug casino. Putain, c'est un chemin de merde. Sorte le SUV. Laissez-moi tranquille. Ethan Delorme, agence immobilière, bonsoir. Bonsoir, avocat Palermo au téléphone. Je souhaiterais appeler pour prendre un rendez-vous pour demain soir pour un futur achat immobilier. Ouais, bien sûr. Alors j'aimerais un rendez-vous pour 18h30 si possible. Alors malheureusement, à cette heure-là, je serai pas dispo. Vers quelle heure vous serez disponible? Moi, je serai plus dispo vers 20h30. Après. 20h30, ça me va. Non, mais 20h30, ça me va. Ok, ça marche. Si vous avez déjà une idée de l'endroit, ça pourrait être intéressant. Je pourrais peut-être même fixer un prix déjà dès ce soir. Alors, j'ai une petite idée. Alors, soit je pensais au niveau du 6153. Ok, ça serait 6153. Au niveau de Picture Perfect Drive, au niveau de tout proche du Galileo Observatory. Ok. Ou soit je pensais au 60-70 à côté du Galiléo. Ouais. Ou soit je pensais à un petit appartement en ville. Ça, niveau appartement en ville, j'ai pas trop d'informations. Mais un appartement proche du gouvernement pour que je puisse me déplacer au plus vite. Moi, j'aurais des appartements, alors je crois que ça doit être en 6187. 6180, attendez, je m'informe. 6180, c'est où ça? C'est en remontant le gouvernement normalement. 6178. Ça doit être. 80. Ouais, j'ai 87. C'est soit, c'est 88 ou 87. Ouais, ça doit être ça. C'est dans l'Eclipse Tower. C'est ça. Eh bien, écoutez, moi, ça me va totalement. Si vous avez un petit prix de tête, juste une estimation. Pour un appartement, non, là, comme ça, je ne saurais pas vous donner d'estimation. Enfin, je
Donc je vais voir ce qui est possible en fait. Et est-ce que j'ai une petite question, est-ce qu'il y a des tarifs pour les membres du gouvernement ou est-ce que c'est le même tarif pour tout le monde? Non, pour l'instant c'est le même tarif pour tout le monde, justement il faut que je rencontre le gouverneur pour voir ce qui est possible de faire. Ok, ok, bon. Eh bien écoutez, si jamais vous avez des prix en tête pour l'appartement à l'Eclipse Tower, je vous laisse m'envoyer un petit message. Je vous invite d'ores et déjà à m'envoyer votre numéro de téléphone ainsi que les adresses que vous m'aviez proposées, comme ça moi je vous renvoie un message avec les prix dès que je peux les avoir. Alors attendez, je vous envoie mon numéro de téléphone via l'entre via le voici, je vous envoie mon numéro de téléphone. Impeccable. Et donc vous êtes monsieur le juge Salvador Palermo, avocat juge, excusez-moi j'ai dit juge, l'avocat Salvador Palermo. Ok, ça marche. Je vous envoie mon nom et mon nom de famille, mon prénom et mon nom de famille par message aussi. Non, bah c'est noté, vous embêtez pas. D'accord, okay. C'est noté. Bon bah je vous ai envoyé le numéro de l'appartement. Moi l'appartement 6087 me va totalement, ce qui me fallait à peu près dans les alentours justement. Ouais, ce serait juste en face. Après, à voir si c'est pour un achat ou pour de la location. Je pense que l'appartement sera plus de la location. Non, un achat, je voudrais. Ce serait plus un achat ? En plus, un achat. Ok, ça marche. Bon, bah, je vais voir tout ça. Hein ? Nickel. Je reviens vers vous dès que c'est possible. Parce que j'ai pas mal de monde, donc. Ouais, vous m'étonnez, surtout que notre dernier agent immobilier a pas fait long feu. Donc écoutez, moi je vous laisse dans votre travail. Moi justement, normalement, je suis censé passer un jugement, sauf qu'on a eu un petit bémol. Donc écoutez, je vous souhaite une agréable soirée. Puis je vous laisserai me recontacter via le numéro que je vous ai envoyé. Ouais, il n'y a pas de souci, on fait comme ça. Pour discuter des... Merci à vous. Merci à vous, bonne soirée, bon courage. Merci. Attendez, faut que je note les numéros parce que je vais pas y arriver. C'est lequel qui est envoyé en dernier? C'est celui-là. Hein. C'est pour l'appartement. Lui. Je peux pas créer un contact. Chanson. Bon, on va aller voir en 4001 déjà. Je suis trompé.
Ouais, 85 000 quoi. Le problème, c'est que j'ai peur si je la fais là maintenant, je suis niqué. Parce que là j'ai dit quoi? Là j'ai dit 110 000. Et hors parc, 95 000 et 110 000.
quelle merde pour sortir d'ici. Non, que ça s'ouvre. Ça. Delorme, agence immobilière, bonsoir. Oula, oula, j'avais une question. Je voulais savoir combien ça coûte la maison la moins chère à louer. La moins chère à louer? Bah après, tout va dépendre de l'endroit où est-ce qu'elle va se situer. Il faut que ce soit une caravane, monsieur, je prendrai une caravane. Honnêtement, tout va dépendre. Plus vous allez être dans le nord, plus moins ce sera cher, sachant que le plus bas... Pour... Si, alors, je pense que dans les alentours des quartiers sud, tout ce qui est vers Wardog et tout ce qui s'ensuit, Chamberlain, tout ça. Donc vous, vous voudriez être plutôt dans le sud, c'est ça? Ouais. Vous seriez entre 90 000 et 100 000. Attention, je parle pour une maison. Hein? Moi je parle le moins cher appartement à louer. Après en appartement à louer pour l'instant j'ai pas encore tous les tarifs, ça dépend où est-ce que je peux le placer, mais si vous avez un emplacement déjà, une idée de où vous le placez, je peux aller voir et vous fixer un prix d'ici ce soir. Le moins cher c'est combien à peu près, si vous devez me faire une fourchette? Là comme ça je peux pas vous donner de prix en fait, faut que je vois ce qui est possible de faire par rapport au lieu. Bah ok, je vais voir, parce qu'en fait j'ai pas envie de faire déplacer pour rien. Non mais je veux connaître les prix, c'est pour ça. Moi mon travail c'est ça de toute façon, c'est d'aller voir, de proposer un prix, et puis discuter, négocier. Vous pensez qu'avec genre 2000$ je peux avoir quelque chose? 2000$ pour un appartement, c'est ça?
Ouais. Ça me paraît tendu, honnêtement. Ah bah on va laisser tomber alors parce que Honnêtement, je j'avoue pense que vous seriez plus sur du 3 500 à la semaine. que 3 500 la semaine. Bon, je vais laisser tomber pour l'instant, je vais travailler. Pour de la location. Ouais. À vie, c'est combien? Genre là, l'achat. À l'achat, j'ai pas encore des prix exacts en fait par rapport aux appartements. C'est le gros point noir pour le moment de l'agence. On est en train de Ok. travailler dessus, donc. Ok, parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Bah écoutez, je vous en prie. Bah, je vous souhaite une très bonne journée. Bah écoutez, Bisous. de même. Au revoir. Fuck. What the fuck? J'étais sur le On va créer une maison. Attention de ne pas trop tourner, parce que sinon je peux me casser la gueule. Alors non, ça c'est à moi. Ça, je lui avais proposé combien? Ah, je vais pas coordonner le prix. Voir le logement acheté. Option. Définir un coffre. Oh non.
donc je regarde si j'ai pas d'autres messages. Surprise, action. Là, je vais donner un prix. 6087, c'est l'appartement. C'est la partie. Il va pas me le dégager ma voiture, un Skoda. Oh, what the fuck, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi pas? Dans l'agence, carrément. Je dis, ce serait pas mal, en vrai. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir, sachant que j'ai pas mal de trucs à faire. Ça a l'air de s'être calmé. Demain, ça risque de rebouger assez vite. Donc ça part sur une fin de stream. We'll be right back.